Je m'appelle Clément Keller, je suis enseignant-chercheur à l'INSA et nous sommes ici dans les locaux du GPM situés à l'INSA de Rouen où nous travaillons sur l'étude du comportement mécanique des matériaux en lien avec leur microstructure. Donc le laboratoire dispose d'une plateforme d'essais de thermomécanique qui nous permet de solliciter mécaniquement donc, les matériaux, que ce soit d'un point de vue monotone ou cyclique, en flexion, traction-compression, torsion alternée ou chargement combiné, et ce éventuellement avec la présence d'un chargement thermique de type température ou feu. Grâce à ce dispositif, nous sommes capables de reproduire le plus fidèlement possible les chargements mécaniques vus en service par les matériaux à vocation industrielle ou vus au cours de conditions critiques de fonctionnement. Et parallèlement à cette étude du comportement mécanique, pour essayer de comprendre l'origine des propriétés mécaniques et leur évolution en cours de chargement, nous couplons ces analyses avec des analyses microstructurales grâce à la plateforme du laboratoire. Par exemple, pour les matériaux métalliques, grâce à la diffraction des rayons X ou la microscopie électronique, nous sommes capables de déterminer la taille de grain, la composition chimique, les phases en présence, l'évolution des structures de dislocation ou la présence d'une texture cristallographique. Et dans le cas des matériaux composites ou polymères, nous cherchons à déterminer les mécanismes locaux d'endommagement grâce à des études microstructurales. Et ce couplage entre les propriétés mécaniques d'une part et les propriétés microstructurales d'autre part nous permet de faire deux choses. La première, c'est d'essayer d'améliorer la prédiction du comportement mécanique des matériaux, notamment en développant des lois de comportement basées sur la microstructure. Et dans un deuxième temps, d'essayer d'améliorer l'élaboration des matériaux afin d'optimiser leurs propriétés, comme c'est le cas par exemple dans la fabrication additive.